Cette rencontre qui a regroupé les techniciens des ministères en charge de la santé publique, les enseignants-chercheurs, les représentants des partenaires au développement et bien d'autres personnes ressources. Les participants à ces assises vont examiner la synthèse des informations d'un pré-rapport relatif à la recherche en santé publique au Tchad et proposer des lignes directrices pour la finalisation et la mise en œuvre du plan de recherche au Tchad. Ce document est élaboré par un consultant international en santé publique. Le représentant par intérim de l'OMS au Tchad rassure de la disponibilité de l'institution à accompagner le gouvernement en matière de recherche. L'OMS, avec tous les partenaires, reste disponible à apporter l'appui technique nécessaire pour faire renforcer les capacités des acteurs en matière de recherche. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention a souligné que les autorités sanitaires ne cessent de soutenir le projet de recherche au Tchad. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention s'est engagé à créer un cadre qui puisse permettre aux chercheurs de coordonner leurs efforts et ainsi renforcer la recherche en santé dans un esprit de collaboration et de partage des résultats. Dabsou Guidaoussou informe également que le ministère en charge de la santé publique, de concert avec la plus haute autorité du pays, a œuvré pour la disposition d'une loi de création de l'Institut national en santé publique au Tchad.